Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. Ce n'est pas pour vous présenter un gabarit, mais plutôt pour vous présenter les différents tampons que l'on voit un petit peu partout maintenant et qui s'intitulent surtout layering. Ça veut dire qu'on peut les faire en plusieurs couleurs pour donner un relief. Donc je vous avais déjà fait une vidéo à un moment donné pour vous montrer la biche. Voilà, que l'on peut faire. Après, on peut agrémenter un petit peu aussi ses cornes avec des petites fleurs ou des petites pampilles avec des petites boules de Noël. Vous avez également donc les sapins. Voilà, vous voyez, ça donne un effet en fait d'aquarelle, vraiment. En prenant plusieurs encres donc de différentes couleurs, on donne cet effet peint. Et donc là maintenant, en boutique, vous pouvez retrouver donc ces autres modèles. Le petit lapin, qu'on peut aussi déguiser pour le faire comme le lapin d'Alice au Pays des Merveilles. Vous avez l'écureuil. Vous avez la chouette. Vous avez celui-ci aussi, qui donc se fait en trois parties, avec la petite biche, des petits flocons de neige et le petit fond du paysage. Et donc ça, il s'agit de la marque Hero Arts. Et la marque Out of the Press, vous avez exactement ce même principe de petites couronnes, pommes de pin. On rajoute des petites touches de rouge sur la couronne. Vous voyez, les trois pommes de pin, pareil, le nœud qu'on peut mettre donc en relief. Donc on va faire ça ensemble aujourd'hui. Je prends donc mon tampon chouette, je prends donc ma première partie, j'ancre et je décharge donc une première fois sur mon papier. Puis je l'ancre je le tamponne correctement sur mon papier. Je prends à présent la deuxième couleur. Avec la deuxième partie de mon tampon, vous avez donc l'ordre dans lequel vous devez utiliser les tampons. Et je retamponne par-dessus. Je vais maintenant prendre ma couleur finale et pour ce faire, je prends du noir. Il s'agira donc de tous les contours, les yeux de ma chouette. Donc, je trouve qu'en noir, ça ressort bien. Voilà donc ce que ça donne. Alors ensuite, comme je vais la découper, je peux l'ancrer un petit peu plus sur les bords. Vous allez voir ce que ça va donner au final. Voilà donc ma petite chouette découpée et je prends simplement mon encre. Vous allez voir, ça lui donne encore plus de relief. Voilà, je peux même faire ressortir ces petites pattes avec un petit crayon. Voilà, je vous montre ce que ça donne. Vous voyez la finesse du tampon. Je peux maintenant également faire donc ma petite branche. Là, ma petite branche donc découpée et je peux ainsi insérer ma petite chouette. À présent, le petit écureuil, je vais vous montrer que vous pouvez ne pas utiliser en fait le dernier.
en utilisant simplement déjà un papier d'une teinte que l'on a choisi pour notre petit écureuil. Nous n'avons pas forcément trois couleurs d'encre, donc voilà, en fait, l'astuce, c'est qu'on prend déjà un papier. Donc voilà, pour mon écureuil, je prends un papier un peu beige et je vais simplement donc tamponner ces deux parties-là. Donc cette dernière partie en noir pour faire ressortir les petits yeux, tous les contours. Et cette partie-là dans un marron donc, que j'ai déjà. Donc il me suffit en fait d'un noir et d'un marron. Je prends donc ma partie, donc ma deuxième partie, je la tamponne, je l'encre, pardon. Voilà. À présent, donc ma dernière partie, je vais y mettre du noir. Et vous voyez, ça fera ressortir donc son œil, ça dessine en fait les derniers motifs du tampon. La difficulté en fait de ces tampons est de repositionner correctement les différentes parties les unes sur les autres. Il existe d'ailleurs, je crois, un petit appareil, une presse à tampons, on peut même en fabriquer une. Mais bon, moi je m'en sors comme ça. Donc voilà notre petit écureuil donc terminé. Vous voyez, il suffit simplement de deux couleurs pour celui-ci par exemple. Je peux même faire donc mes petites cacahuètes, mon petit gland. Pour le modèle du lapin, eh ben, je vais faire la même chose, je vais faire un petit lapin blanc. Donc tout simplement, je n'ai pas d'encre blanche, donc je vais prendre un papier blanc et tamponner donc que ces deux parties de tampon. Voilà, et non pas donc la partie qui est pleine. Donc je prends ma deuxième partie. Je prends donc mon encreur, je tamponne sur mon papier blanc. Voilà donc une partie du lapin. Je prends ma dernière partie. Et je vais ancrer avec du noir, non, du marron. Voilà, et je repositionne donc sur mon tampon. Voilà donc mon petit lapin. Je vais faire son petit gilet. Voilà. Voilà donc mon petit lapin, comme tout à l'heure, j'ai mis un petit peu de Funflock pour sa petite queue. Et bien sûr, sur le tampon, vous avez plein d'autres petits éléments pour continuer à arranger votre petit tampon. Pour faire ce tampon, j'ai simplement coupé un cercle dans du papier pour faire à peu près la taille de ma couronne. Derrière le tampon, vous avez l'explication et donc les numéros pour pouvoir utiliser correctement vos tampons. Pour le tampon couronne, je prends donc soit la branche, soit le feuillage. Là, j'ai pris le feuillage. Après, sur le tampon, vous avez l'explication pour pouvoir utiliser dans le bon ordre les pommes de pin, le nœud, les petites pommes de pin ici. Donc là, pour le moment, je vais faire le feuillage. Je prends donc tout simplement mon cercle, j'encre, et je tamponne. Voilà. Sur un autre morceau de papier, je vais faire mon nœud, voilà, qui est donc en trois parties. La première. Je tamponne donc avec mon encre, mais je vais décharger la première couleur.
je prends la deuxième partie. Et pour finir, ma troisième partie. Pour donner le relief. De mon nœud. Voilà mon nœud terminé. Je vais à présent faire les petites pommes de pin. Donc je vais en faire une longue et une plus petite. Voilà ma pomme de pin. Je vais faire à présent l'autre forme, donc celle-ci, et je vais la faire cette fois-ci en trois couleurs pour vous montrer la différence. Donc je prends la base, je l'encre, mais je décharge un peu. Pour que ça me fasse donc simplement un fond. Je prends ma deuxième partie. Toujours avec la même encre, mais cette fois-ci, je laisse. Voilà. Je fais la dernière partie avec une autre encre, qui est un petit peu plus foncée. Voilà donc ma petite pomme de pin. Je vais sur ma couronne tamponner ce qu'il y a en fait sur le tampon, toutes ces petites taches qui vont représenter en fait des petites boules rouges comme pour faire le hou. Donc pour ce faire, je vais prendre quelque chose de particulier. Je vais prendre un encreur en fait qui colle. Donc ça va simplement me mettre de la colle aux bons endroits de mon tampon. Vous trouvez ce genre de colle encreur sur d'autres boutiques de scrapbooking. Moi, je ne la vends pas sur ma boutique. Ou donc sur Internet, les salons, etc. Donc là, je mets simplement de la colle aux bons endroits donc de mon tampon. Et je vais tamponner sur ma couronne. Mon ou. Et je vais mettre du fun flock rouge. J'y vais en franco. Voilà. Pour pouvoir avoir mes petites boules de ou avec le fun flock. Ce genre de tampon qui colle, c'est aussi intéressant pour quand vous faites donc vos petites biches sur un des tampons, vous pouvez faire avec ça et mettre donc le fun flock marron pour donner cet aspect fourrure. Donc je laisse sécher un petit peu. Voilà donc avec le tampon, donc au top the press pour la couronne, et j'ai pas encore tout utilisé les éléments. Voilà notre petite couronne donc de Noël, les petites pommes de pin, le nœud et donc le hoop sous la couronne. Vous avez la possibilité de faire cette couronne tout en bois, avec d'autres éléments, par exemple une couronne un peu automnale qu'avec des pommes de pin, et un petit nœud dans les jaunes, par exemple, pour donner un petit peu de peps. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.